Nous sommes honorés de vous avoir nombreux sur Congo Live Télévision, afin que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité. Les dames et messieurs, boyé et la mukolanda malaka na biso ya sika, na basango na biso ya sika, bien que toko bundisa, santé ko simbate, mais to mi lobeli ke zanatina, koya ko kabela bino basango, ya makambo oye ko leka na katia mboka na biso, République démocratique du Congo. Tolobi matondi mingi na ba compatriotes congolais, ba congolais soucieux Yamboka na biso oyo bake kolanda beto na ngonga yayi na diaspora bake kolanda beto na ngonga yayi en République démocratique du Congo tulubi matondi mingi pona fidélité na bino oyo bokabeli biso na mokolo mwalelo enfin ke to kabela bino basango ya makambo oyo koleka na kati ya mboka na biso tozongeli liloba ya tata wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi oyo akolobela na poto bisika bandele bazali oyo bandele lelo to ko estime oyo ba kongole bele balobi ke za bandele batu baza sima ya bitumba oyo ko salema na Rwanda pays voisin en République démocratique du Congo dans sa partie oyo za est kotoyo mais bisika ya bandele wana kaka ne sengeli to soumettre ide ya koloba biso to lembi et ke soki bino bolingi te ko sala oyo biso esengeli bosalela biso toko bima na ba organisation na bino et puis toko sala manso pour que Congo lelo eya komizwa en charge raison pour laquelle na komema bino poto décrypté elongo na bino to décrypté elongo na bino message to elongo bami ya mokonzi wa mboka tata wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi na mayemanso alobaki lobi na tribune au tribune ya Nations Unies concernant mingi mingi tokozwa politique te tokozwa diplomatie te tokozwa sécurité aspect sécuritaire oye alobela ki yango concernant mboka na biso après ye koloba kotoyo na est république démocratique du Congo bitumba oyo bisika ezoyo kama bisuka bisika minduki e koyo kama mukolo mwalelo nini oyo bana mboka nini oyo baye oyo ba kosala biso bitumba Bazali koloba. Ezalaki lobi butu, lelo tongo, ba mirmire bandiko tambola. Dans le camp de l'ennemi, qu'est-ce qui se fait entendre? Au Rwanda, nini ezo yokama. Message ya tata wa ekolo. Est-ce que esimba ki? Mutu oyo, esengela ki esimba. Considération nini oyo. Ba ye oyo, bazo sale la biso bitumba lelo. Bazo impose biso bitumba. Bazo meme la biso bitumba oyo eresir parce que ezana bana mboka ba moko oyo bazo sunga lelo eke bitumba wana esimba tika tozonga elongo na mayemanso alobaki tata wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi na lobito kokota mingi mingi sécurité toye baba ange est-ce que ba déclaration ya tata wa ekolo ezape moko ya eloko oyo ko imposé Kagame kotika bitumba na kati ya mboka na biso eza aspect ya liboso aspect ya mibale ezali koloba ba diplomatie oyo mokonzi wa mboka azosala tata wa ekolo est-ce que ekosala d'une manière diplomatique e exige Paul Kagame atika kosala bitumba e azongelaka bitumba jamais parce que ba expert na kati ya sécurité na kati ya région ya Grand Lac ba koloba lelo bakosala manso Joe Biden akokita na Aburu na Angola bako sala manso pour que les deux présidents bafanda bisika moko enfin que victoire ebima sur le plan diplomatique mais Kagame lokola zalakarize akosala lolenge moko to mosusu enfin que a renouvelé bitumba oyo sous une autre forme ebele balobi za terroriste ba terroriste bazaka na ba plan ebele akozala kana plan A na plan B te me bazaka na ba plan A ebele c'est-à-dire azomona lolenga nini azo réussir te azomona lolenga nini azo zwa échec na nzela oyo azwa ki c'est-à-dire ngonga oyo to ngonga yayi abandi deja komona lolenga nini ako implanté mouvement mosusu akoya na bitumba d'une manière ou d'une autre yango bisike sengeli to jouer wana tokoye ba est-ce que c'est le plan diplomatique ezala ba avancer o ezali soki ezali na relation internationale bisika tozali qui est en échec
nani mutu azali na réussite. Parce que nous n'allons pas que rester dans les analyses. Et sengali to kende na matière o est concerné affaire wana. Ba relations internationales, diplomatie internationale, politique internationale. Je vous expliquerai ici comment ça se déroule na bisika tozali. Entre nous et le Rwanda, quel pays est en avance par rapport à l'autre sur le plan diplomatique? Quels sont les signaux? Quels sont les éléments? Sur Congo Live Télévision et nul par ailleurs, beaucoup d'informations qui vous met au parfait de l'actualité. Le président de la République démocratique du Congo, vous connaissez le nom? Diho, il y a Tribune, il y a Nations Unies, na fermeté na inyoso, na motema ya kokanga, na oyo, a estimé que Zali ya malonga, pona mboka na ye. Ye oya loba ki ala lakate pona Congo. Vous avez le droit de mentionner ce que vous pensez. Êtes-vous sûr que c'est vrai? Bara commenter les awana pour vos analyses subjectives. Et sengel bosala yango, d'une manière objective. Ba analyse na yo otanga, toye biezana ebele, ba maîtriser bien enje wana. Bisika tozali lelo. Ba parole à mokonzi ya mboka. Yo, ozaki ko évalue ango, ndenge nini. Pensez-vous que za pe na influence moko? Oyo esimbaki na baye oyo esengeli ba agir à l'occurrence de la communauté internationale, à l'occurrence des États-Unis d'Amérique. Ordre eza bisike bele na kati na bango, na bamboka na bango. Pourquoi les mêmes États-Unis ba akolingate lelo ordre eza le pa na biso? Congolais fungula miso, Africain fungula miso, totanga elongo. Le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, a appelé lors de son discours à des sanctions ciblées contre la République du Rwanda lors de son discours à la tribune des Nations Unies. Il accuse le Rwanda des rôles déstabilisateurs et néfastes dans l'est de la République démocratique du Congo ou dans l'est de son pays. Tshisekedi a également exigé le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, je ne vais pas garder ça pour vous. Je crois que la technique est prête pour nous faire cet extrait où le président de la République a déclaré, disons, Rwanda et Zamboko ont désinstabilisé Bissau. Azo Benga, lelo Rwanda, Batika, qui ont désinstabilisé Bissau, et que Bami retiré, ba retiré ba troupe na bango. Rwanda est la paix sanctionnée et la paix moko ya eloko oyo à Sengaki. Et au-delà de ça, à Bwaka ki mwa ndelo na ba corne enanga. À Bwaka ki mwa kokoso na ba corne enanga. Koloba. Oyo bazo tia na mutu. Koloba bakosolo laka na République démocratique du Congo na gouvernement congolais ezali ndoto. C'est-à-dire. Les dialogues oyo bango bazolinga bazuwa. Le M23 wana tozolo bela rébellion, wana tozolo bela groupe ya ba terroristes, ba AFC, ba Magloire Paluku, ba Corneille Nanga, ba Bertrand Bisimwa, ba tunyoso wana la Rwenzi Kanyuka oyo ba akotia. Je ne saurais conclure sans rappeler qu'après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo se porte à nouveau candidate, soutenue par l'Union africaine et par la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, au poste de membre non permanent pour la période 2026-2027, lors des élections qui se tiendront à New York en juin 2025. La République démocratique du Congo a déjà occupé cette fonction entre 1982 et 1983, 1990 et 1991, périodes durant lesquelles elle a œuvré pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique et dans le monde. Une fois élue, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité, participant à la revitalisation de la Charte des Nations. Le président de la République démocratique du Congo, à l'occurrence de Félix Antoine Tshisekedi, qui fait savoir aujourd'hui qu'il est possible pour lui de tout donner, mais que la rébellion du M23 ne trouve jamais
un dialogue avec le gouvernement congolais. Il est possible pour lui aujourd'hui de se mettre sur une même table avec Paul Kagame, le président de la République du Rwanda, mais en une seule condition, que les troupes rwandaises se retirent d'abord sur le sol congolais. Nous allons en matière internationale. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Nous n'allons pas rester que des journalistes. Nous allons aussi faire des analyses ensemble avec vous pour comprendre au niveau international. Là où nous sommes aujourd'hui, est-ce que la RDC est bénéfique? Est-ce que la RDC est en avance ou en recul? Faisons les analyses ensemble. Les dames et messieurs, vous rappellerez que le Rwanda a toujours soutenu des rébellions à l'est de la RDC, mais cela n'a jamais été dévoilé d'une manière formelle. C'est la première des choses. Maintenant, lorsqu'on a appelé au cantonnement, il fallait que le M23 soit aussi parmi les groupes rebelles, parce que c'est un groupe rebelle, qui devrait se rendre au niveau de Nairobi pour les cantonnements, pour signer les accords, enfin qu'il rentre pour les cantonnements. Les rebelles du M23, étant malais, ils se sont retirés. Parce que Bamona Kiesali, ils ont première position, Yakoumé Mabango, Nasuka. Depuis que nous avions commencé à dialoguer avec le Rwanda, je ne les parlais pas parce que je suis le porte-parole de Tshisekedi. Ne prenez pas mal les choses. Parce que je suis en train de défendre la RDC, ne prenez pas mal les choses. Nous sommes en train d'analyser d'une manière scientifique sur le plan international. C'est-à-dire, ils allaient matière au Fandi, y'a Batouba maîtrisé en jet diplomatique. Yango Tokolo Belaleloa. Depuis que nous avions commencé des discussions avec les groupes rebelles, d'autres fois, Julien Palouk nous a fait savoir qu'il y a plus de 58 accords que nous avions déjà signés. Mais plusieurs personnes se trompent. Nous n'avons jamais signé 58 accords avec le Rwanda. Non, non. On a déjà signé 58 accords avec les groupes rebelles. Maintenant, il fallait dévoiler qui est derrière ces groupes rebelles. Il fallait que tout soit en gémoko et qu'on permette Bisso, Toyeba, Nani Azasima, Yaba Rebel Wana. Tozaki Okenina Forma, RDC, groupe rebelle. RDC, bas terroriste. RDC, dont le gouvernement négociait toutefois avec un groupe de gens. Maintenant, il a fallu responsabiliser ça. Parce que, toutefois, on dit en français, ce que vous faites demain pourra produire le même résultat que ce que vous aviez fait aujourd'hui. Ce que vous faites au quotidien, c'est le même résultat que vous aurez. Vous dialoguez avec les rebelles du M23, demain ils vont encore surgir. Vous dialoguez avec les RCD, demain CNDP Ekoya, Lobby Ekoya, ceux qui tuent Néo, Lobby Ekoya AFC. Maintenant, il fallait maîtriser tout ça et aller dans les formats qui soutiennent la rébellion du M23. Après avoir découvert que c'est le Rwanda qui est derrière la rébellion du M23, il a fallu travailler haut et dur, fort et dur, pour casser la rébellion sur la plateforme de dialogue et imposer l'initiateur de cette rébellion ou le patron de cette rébellion. Et c'est à ce niveau où vous trouverez qu'il y a une forte diplomatie qui s'est jouée à un point où on a exigé voir c'est lui qui est derrière la rébellion. Raison pour laquelle vous allez trouver avec le coaching de tous les Congolais, avec le partenariat de tous les Congolais, ce n'est pas une victoire de Tshisekedi, Mokao Isa Tshisekedi, c'est pour tous les Congolais. C'est avec les efforts de tous les Congolais d'une manière diplomatique, d'une manière militaire et d'une manière générale que vous aviez vu. Kagame est tombé dans des pièges. Kagame a quoi à qui? Nakati a piège, Azalaki Koye batté, et c'est là où on parle d'un pari gagné pour la RDC. Où est-ce que Kagame Akouen 3 lui vient se représenter en tant que les représentants des M23? Cela signifie que c'est lui, d'une manière directe, qui soutient la rébellion du M23. Là où on était en train de dire que ce sont les enfants du terroir frustrés qui sont au sein de la rébellion du M23, là cela a changé pour dire Kagame utilise certains fils du terroir, à l'occurrence de Nanga et ses compagnons, pour faire la rébellion, pour victimiser, pour nationaliser la rébellion du M23.
Mais la rébellion du M23 n'est pas nationale. Sinon, vous verrez des Congolais propres à eux qui forment des rébellions contre le gouvernement pour exiger peut-être le départ de Tshisekedi, pour exiger peut-être le changement de gouvernement, pour exiger leur exigence. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La rébellion du M23 va se statuer sur non, il y a des Tutsis marginalisés au Congo. Non, il y a des portions de terre au Congo. Non, il y a ceci, il y a cela. Non, il y a des réfugiés congolais qui se trouvent au Rwanda. Non, il y a des FDLR qui représentent une menace. Et vous n'allez pas trouver que c'est national. Non, c'est pas national, c'est étranger. Et c'est par là où Kagame, pour la première fois, à Kotaki, n'a piège. Déjà au niveau international, lorsque Kagame se retrouve na piège Wana, et Sengeli, Kobua qui sa M23, parce que selon le président de la République, Eza Koki est vide. Et puis poursuivre maintenant entre État, na format wana de Tuzali. Il a fallu prouver au monde, bien que Kagame Andimi Koya na format M23, lui comme le responsable de M23, il a fallu prouver au monde entier que nous sommes agressés. Bien qu'il y a des astuces, Oyo Mokonzi Mboka Salaka, Kine, Oyo Banamboka Bazolinga Mingi Mingi Te, mais il a fallu prouver au monde que nous sommes agressés. Une chose que nous avions aussi fait avec l'appui de tous les Congolais dans la diaspora, avec l'appui de tous les Congolais en République démocratique du Congo, que ce soit les Wazalendo, que ce soit les journalistes, que ce soit tout le monde, nous avions travaillé dur pour prouver que nous sommes agressés. Une fois l'agression est connue, le président congolais a menacé de s'attaquer au Rwanda, parce qu'il faut maîtriser au moins l'histoire. Toyebake, est-ce que Biska Tozo Kende, qui est en avance par rapport à l'autre. C'est là où j'ai dit au départ, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez voir Kagame qui surgit encore demain sous une autre forme, au-delà de Luanda wana. Et c'est tous les Kenge, Congolais, la Mouka, Kagame Azamoutouté, d'une manière ou d'une autre, Sisikaboé, aïe, la forme Moussous. Et c'est comme ça que nous avions débuté tout ce qui a entamé cette discussion entre pays na pays. Voilà notre côté qui forma entre Oyeza Lokola Russie na Ukraine. N'a pas processé ça loin dans la tout bandit, toujours continuer. Batou Oyo ba finance à Kagame parce que Kagame n'est pas seul. De lui-même, il ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire. Bananga Baza utilisé, je pèse mes mots, je crois que même aujourd'hui, Nanga est en train de regretter là où il est. Je le crois du fond de moi. Que Nanga a regretté Biska Afandi. Azo le balancera qui bouzoba. C'est là qu'il a fait Nanga Penangaï. Mais il est condamné. Naba vagabondage, on a Bazo sal. Akobanda Otambo, la Mokolomoko, Baboua lié. Baboua qui est na Congo. Azo regretté. Ma gloire Paloukou. Azo regretté. Bazo regretté, ban na bango yoswana. Mais bakolo bayango télé lo na média mais bazo regretter quand même na forma wana nde tozali ko kenera ba poursuite Kagame alobi non si la table de négociation azoti na batuna e ba monisa biloko esengeli ba monisa pourquoi besoin agresser Rwanda et pourquoi besoin agresser RDC baye non RDC détenir ba FDLR Congo bien yango wana ça va plan neutralisation ba FDLR yango ni Jesus. Oh non, il y a des réfugiés congolais à Otunaser. Oh non, il y a des tribus marginalisées. Tout bengi ba tutsi wana bazaka na Congo. Boza marginalisé, toza marginalisé te. Les tutsi au Congo vivent très bien. Il n'y a pas de problème. Et le Kagame n'est pas leur porte-parole. Voilà, Kagame a lobby. Wane aussi malisouste. Alors aujourd'hui, il se trouve un peu coincé. Ayebi lisous nini te oya koloba. Parce que ba alibi na enyoso, ba silisiango. Ce n'est plus format à rébellion M23, c'est format à Mboka. Dans la poursuite diplomatique, Wanande Bozoyoka, il y a des avancées. Et aujourd'hui, nous pouvons parler que de la part de la RDC, d'une manière diplomatique, je pèse bien les mots, diplomatie, je ne parle pas militaire, moi. Je ne parle pas de ce qui concerne sur les lignes de front. Je parle sur les lignes diplomatiques. Les lignes diplomatiques bougent. Et selon les experts en sécurité, les experts en matière il y a diplomatie au niveau international, bakolo balelo ke RDC ezali na avantage munene plus que Rwanda. Parce que le Rwanda n'a rien à prouver.
Et le président de la RDC a toujours dit, lorsqu'il ira voir Kagame, Akotune Kamtuna Moko, qu'est-ce que tu veux pour mon pays? Qu'est-ce que tu veux pour Naba Congolais? Yango Boyoki, le président américain Joe Biden, va se déplacer à Kobima, aux États-Unis, les 13, les 14 et les 15. Il fasse des journées où c'est au niveau de Luanda. Et ça, Banzi et Zobima, ce n'est pas pour rien qu'il va se déplacer. Non, ce sont des enjeux aux Zobima. Sortez dans l'analyse à Congolais, wana, oya kolobate. Et ça, le marabongote. D'abord, non, non, analysons-les ensemble. Parce que c'est un Congo, Congo Nabiso, Congo Yabeto. Et ça, Congo Yabatunyos, ce n'est pas seulement pour Tshisekedi, ce n'est pas pour le gouvernement souminois, c'est un Congo pour tout le monde. Nous avons intérêt à voir que Tshisekedi réussisse aussi, enfin, que les troupes rwandaises rentrent au Rwanda et que les milliers de déplacés vivant autour de Goma, autour de Kanyabayonga, autour de Butembo, autour de partout dans la province du Nord Kivu, Bazonga, Nakati, ba village respectif, Nabango, pour peut-être continuer l'activité champêtre. Nini obino bozo zela na kokoma ya Joe Biden na niveau ya Luanda. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous pensez? Bozo kanisa ke bako imposer biso dialogue? Bo kanisa elongo na biso. Bino bozo kanisa nini? Bo kanisa ke bako exiger biso dialogue wana? Déjà les États-Unis d'Amérique se déplacent, c'est-à-dire dossier et komi munene. Voilà là où nous en sommes sur le plan diplomatique. Voilà ma pression. Oyo, président de la République a exercé. Il a déclaré beaucoup de choses. Mais parmi ce qu'il a déclaré, nous avions choisi Ketolobela, le plan Oyo diplomatique. Peut-être demain nous pourrons revenir pour parler de ce plan militaire. Est-ce que sur le plan militaire nous sommes en train d'avancer ou bien toujours avancer? Tokoye Bango, Mukolo, Moussou, Tokokuta Nasir, Congo Live, Télévision. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Yamana Kanabiso, Touzana Souka, Yamana Kanabiso. Pour comprendre les loquets sur le plan diplomatique, nous avons des avancées. Il y a des avancées, selon même l'autorité congolaise, selon les experts. À moins qu'il y ait Bayako, compliqué Biso, Bakonzi, Oebazo, Kumba, Biloko. Mais sur le plan diplomatique, et c'est un peu cahier de charge. Je rappelle ça au gouvernement congolais. Peut-être Moko, Patrick Mouya, Yana, Bakonzi, Mosu, Bakola, Nabiso. Cahier de charge, Nabiso, et c'est un peu de poids. Et c'est un peu poids. Et cette fois-ci, ce qui est simbité, Kuna, Tozonga, on est souverain. Nous n'allons pas mendier intégrité à Mboka, Nabiso. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous n'allons pas le faire. Nous allons exiger cela. C'est ce que nous devons faire. Raison pour laquelle, Boyoki Wazalendo, Batikali Kaka Pene Penewana, Bazali ko sirve mouvement. Entre état, Bazali ko sala bitumba. Aujourd'hui, il n'y a pas d'affrontement signalé, mais tu observes journée bonie kozala. Peut-être on se recale encore demain pour la actualité na biso ya sika sur Congo Live Télévision. Oye kozala eke, to kabela bino pe ba sango, ya makambo oyezo le kanakati ya mboka na biso. C'était pour nous l'honneur de vous savoir nombreux, les dames et messieurs. Vous avez le droit de partager la vidéo, de commenter, mais également de vous abonner si vous ne l'avez pas encore réalisé. J'étais Youssoufou Kibingila David. Je vous souhaite une bonne journée et on se promet de se revoir encore à la prochaine pour d'autres actualités.